Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Triste fin pour Chad Rimal à Aubleu cet après-midi. Cet habitant de Morcellement-Saint-André y a péri noyé. Il s'y était rendu en compagnie de ses proches pour une partie de baignade quand il s'est retrouvé en difficulté. Du cocktail Molotov lancé sur une femme et son fils à Sainte-Croix hier soir. Blessés et brûlés aux pieds, ils ont reçu des soins à l'hôpital. Les fusils retrouvés hier à Bessonges en bon état et bien entretenus. Premier constat des enquêteurs, les experts en balistique veulent savoir si les armes ont été modifiées. De grosses averses s'abattent sur l'île depuis ce matin, conséquence d'un courant d'air chaud, humide et instable selon la station météo de Vacois. Une amélioration du temps attendue dans la nuit. Et puis à la fin de cette édition, vous aurez le plaisir d'entendre l'interprète du fameux tube d'Imunikozu, Wichibi, qui sera à Maurice en avril. Nous démarrons cette édition d'Info Soirée avec ce cas de noyade à Aubleu cet après-midi. Chad Rimal, un habitant de Morcellement-Saint-André de 36 ans, y a péri noyé. Il s'était rendu en compagnie de quelques proches et s'est retrouvé en difficulté alors qu'il nageait. Des volontaires lui ont porté secours et ont même tenté de le réanimer, mais en vain. Sahil Bahadour, un témoin de la scène, fait le récit. Nous sommes là en cousin, c'est-à-dire moi et mes trois cousins, nous venons passer un moment ici. Mais nous sommes là vers 11h30 par là. Mais là, il arrive, disons, midi, midi 30 par là, il y a un cas noyade, un garçon, un habitant de Saint-André, non seulement Saint-André. Un petit peu nasé, là, il commence à avoir une difficulté dans de l'eau. Là, il commence à débattre. Là, il y a une centaine de gens qui là, tout vient amuser, vient passer un moment là. Mais là, dans un petit lit, on a essayé de réanimer tout ça là, c'est un petit peu difficile là. Après un petit moment, la police est venue, oui, la police est venue, la pompier aussi est venue, ils descendent, ils ont pris, ils ont monté. Ils ont fait le même travail que les gens ont fait. Les policiers aussi ont fait ce secours, les pompiers aussi ont fait ce nécessaire. Mais après, finalement, pas qu'on est arrivé, on a fini de prendre l'île. J'ai venu avec un groupe du monde qui est dans l'île, mais on ne connaît pas les familles ou camarades, on ne peut pas dire. Cet accident au rond-point de Valton cet après-midi, le conducteur de 4x4 a fait une sortie de route avant de terminer sa course dans une rivière. Deux occupants du véhicule, un homme et une femme, ont été secourus par des pompiers avant d'être transportés à l'hôpital. Une femme de 70 ans et son fils de 36 ans brûlés par un cocktail Molotov lancé en leur direction à Sainte-Croix-Hier. Les faits se sont déroulés vers 21h. Dans sa plainte, la victime raconte qu'elle était à son domicile quand sa sœur qui vit à côté est venue chercher de l'aide. Celle-ci avait des problèmes avec son fils à elle. La victime et son fils sont alors intervenus et le neveu a alors lancé un cocktail Molotov en leur direction. Mère et fils ont reçu des soins à l'hôpital d'Itou et ont pu rentrer chez eux. Témoignage de la fille de la victime, Mirella Botsoa. Tout le temps, j'étais en guerre. Ça m'a une famille là, mon bouge au front. Tout le temps, j'étais en guerre, j'ai discuté, on était à mesurer. Mais elle a une barrage au milieu qui sépare mon maman avec l'autre côté. Mon maman, elle est au lit, elle est au lit avec mon frère. À ce moment-là, qui sa catastrophe est arrivée. Maman, sur les pieds, brûlée, sur des pieds. Il clôture là, qu'il peut souffrir beaucoup. Il tient une jupe au lit. Il dit quand il a envoyé ça, les reines éclatées parce qu'il a l'essence là-dedans. Il sont sûrs. Les liguettes, du fait, peut prendre. C'est ce qu'il est capable de faire. Il dit plein, elle a ce là-haut, il descend ce zip en bas. Quand l'île descend, se zippe en bas, mais se délipier, elle n'a donc plus par bon litier là. Moi, qui aime du monde sur l'état, sur la santé, par bon, il y en a plusieurs complications. La diabétique, là, sur les pieds, mon petit au front, une couleur, c'est net, sur les pieds, une côté des pieds là, bien dire, pas bon pour guetter madame, pas bon. Les armes à feu récupérées à Bessonges hier sont en bon état et bien entretenues. Premier constat des enquêteurs qui ont examiné ces armes avant qu'elles ne soient envoyées au Forensic Science Laboratory. L'arme de calibre .22 semi-automatique intéresse de près la MCIT qui enquête sur le meurtre de Manan Fakou. S'agit-il d'une arme modifiée? C'est ce que tenteront de déterminer les experts balistiques de la Special Mobile Force et du FSL chez Adjadou.
C'est l'arme à feu de calibre .22 semi-automatique que les experts balistiques comptent examiner en premier. Une arme que même la SMF ne possède pas. L'arme utilisée pour tirer sur Manan Fakou était de calibre .25. Selon les experts, l'arme retrouvée, elle, à Bossonge, peut facilement être modifiée. Ils expliquent que les balles extraites du corps de Manan Fakou et celles utilisées normalement pour l'arme à feu retrouvée à Bossonge se ressemblent. Toutefois, une balle de calibre .22 est plus puissante que celle de calibre .25. Il faut savoir qu'aucune cartouche de calibre .22 n'a été retrouvée à Bossonge. Les trois armes à feu ont été minutieusement examinées par la Scene of Crime officière et aucune trace d'empreinte n'a été relevée, ce qui signifie que les armes ont été minutieusement nettoyées avant d'être placées à cet endroit. Des prélèvements d'ADN ont été aussi effectués. Je vous retrouve après la pause. L'État constitue une base de données sur les dégâts causés par le MV Wakashio. Un système en ligne est désormais en place pour collecter et sauvegarder toutes les informations, dont des rapports, photos, articles et vidéos ayant trait à la marée noire provoquée par le naufrage du Wrakier le 25 juillet 2020. Les informations recueillies seront examinées et utilisées pour l'évaluation des impacts environnementaux, économiques et sociaux, indique le ministère de l'Environnement dans un communiqué publié aujourd'hui. À noter qu'à ce jour, aucune réclamation officielle n'a été déposée auprès de l'assureur et propriétaire du Wrakier. Plusieurs régions de l'île copieusement arrosées depuis la mi-journée, un mauvais temps occasionné par un courant d'air chaud, humide et instable. Et il va encore pleuvoir dans la soirée avant un retour à la normale dans la nuit. Les explications du prévisionniste Avinash Duki. Nous vous continuons un petit peu la pluie sur la partie nord et nord-ouest de l'île, là, tantôt. Et ça m'a la pluie là qui, parfois, c'est pas capable de modérer par moment. Hein. Mais le risque d'orage, il diminue complètement. Là, nous ne pouvons pas perdre l'orage pour cette nuit. Toutefois, nous perdons même les autres nuages qui peuvent sortir depuis sud-est, qui peuvent influencer les temps. Dans la soirée, sur la partie sud-est et le plateau central de l'île, avec même la pluie passagère. Et au cours de la nuit, les temps pour améliorer, ça va déjà pour dissiper et pour améliorer, les temps pour bon. Même demain matin aussi, les personnes qui les temps pour corrects, les pour bon sur l'ensemble des villes. Ici, intervention des pompiers dans le nord de l'île cet après-midi pour évacuer le des cours. Les régions concernées sont Triolet, Morcellement-Saint-André et Plaine-des-Papayes. Toutefois, aucun incident majeur n'est à déplorer. Et puis pour terminer cette édition, Dimunikozu, c'est le tube interprété par le Seychellois Richie B qui cartonne en ce moment et dont tout le monde en parle, mais aussi qui s'impose comme un des tubes de cet été. Le Seychellois de 27 ans explique qu'il a composé cette chanson pour faire état d'une vérité. On parle toujours de vous. Peu importe que vous fassiez le bien ou le mal, Richie B annonce qu'il sera à Maurice en avril pour nous faire découvrir ses autres titres. Interview réalisée par Kavina Ramparsad. Salut Maurice, Laila, c'est moi, Richie B. J'ai 27 ans, des Seychelles, et c'est moi qui sont Dimunikozu, comme mon apprenne qui pétouillait l'île Maurice. Et tu connais. Quoi qui me pousse moi pour faire santé là, c'est qu'il te connaît dans le monde entier. Tout ce qui te fait, tu es capable bien, tu es capable mal, tout du monde causé. Tu es capable de bien travailler, tu ramasses ton cash, tu fais ton lacage, tu fais un business, tu marier, tu as un enfant. Du monde causé, hein? Et c'est là qu'il inspire moi pour faire sa santé là. Tu connais, je connais Zopi Atan, moi, Ville Maurice, à Sténopéron en février, semaine prochaine là.
Et on apprend qui Maurice Perron dans quand même. Les là pas grave venir Maurice pour faire conseil dans quand même. Ça veut dire mon apprend aussi qui avril carême là fini Maurice Perron dans Pâques. Ça veut dire dans autour rendez-vous qui avril Richibi pour dans Maurice pour Dimonicozou. D'accord. Et une autre affaire qui m'a envie de dire encore qui Dimonicozou est un single en ce moment là. Mais comment pour venir Maurice, mon pour faire son vieux album. Ça veut dire mon pour faire Mauricien qu'on ban les autres santé, ban les autres chansons qui Richibi gena. Dimonicozou. Ou grossi Dimonicozou. Ou maigri Dimonicozou. Ou marche dans bis Dimonicozou. Si ou prend taxi Dimonicozou. Saute mais qui ça Richibi de Seychelles. Bientôt à l'île Maurice. Donc voilà, c'était l'interview réalisée par Kavina Ramparsad. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne soirée sur toutes les plateformes du Défi Média Group. If Huawei is a smart organism, I'm some small set of neurons somewhere in the higher cortex or the central nervous system. My name's Ian Valentine. I'm a business consultant, but I have a technology background, so I'm an engineer really. So that's really what I enjoy doing, is taking technology to business and market problems and accelerating change in industry and in marketplaces to benefit people. And when you look at the rate of change of, say, fiber penetration, in comparative terms, almost overnight, Mauritius has gone from the dark ages to the smart ages. In terms of trialing new technology, you have everything you need. You have fast market adoption, the ability to get to critical mass quickly, an innovative population that is open to new ideas. So in Mauritius, I found the combination of a peaceful, tranquil beauty and a purpose. In fact, the technology and the skills in Mauritius, I believe, are going to accelerate even faster ahead of the rest of Africa. But then the learning that's in Mauritius will get exported back to many of the countries in Africa as a technology incubator. So the next big wave that I see for Huawei is actually making a more intelligent world. And not an intelligent world that overpowers us as human beings, but an intelligent world that makes the world a better place for us as human beings. It's a joy to work for Huawei Mauritius because each one of our efforts has more impact, more visible impact. Here in Mauritius, we're very Mauritian, and I'm proud of that. You can't help but fall in love with the country. Thank you.